Salut les internets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Opsi Fight. Les amis, aujourd'hui on est en compagnie de personne. Mais aujourd'hui les amis, j'avais envie de faire un petit concours. Donc j'ai eu envie de vous faire gagner des items. Donc premièrement, on va ouvrir 11 clés pour commencer. Ensuite on va faire le concours. Donc dans le concours, il y aura une épée en obsidium à gagner. Et des ors puis des trucs qu'on va gagner aussi. Ou si on va vers la fin de l'épisode, du moins après, on va commencer directement à faire un spawner à Witch pour obtenir un peu le niveau, etc. À moins que je vous donne le spawner à Witch. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Commençons directement. Allez, please, quelque chose de bon. Please. Oh, j'étais sûr que ça allait arrêter sur le spawner, les amis. Fait chier! Aussi, comme vous avez vu, j'ai acheté avec une boutique le petit gem que j'avais dans ma main. Je l'ai eu sur le marché. Donc, si vous savez pas, il y a un marché vraiment inédit sur ce serveur-là qui se déroule sur le site. Donc, vous pouvez vendre vos items in-game contre de l'argent sur le site. Ce que je trouve plutôt intéressant d'ailleurs. Un instant, je vais juste. Merci. Juste baisser le son. Oups, là, c'est pas ça que je voulais. Oups, c'est pas ça non plus. Stick Chicave, les musiques. Ah, voilà. On baisse un peu le son, hein. C'est un petit peu fort, les amis. Donc, let's go, please. Quelque chose de bon. Donc, ouais, je disais, vous pouvez vendre vos items que vous avez contre des items. On en avait justement besoin de ça. C'est super. On a justement besoin, des fois, de points boutiques. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez, je sais pas, du Xenotium ou quelque chose que vous avez en trop, que vous voulez vendre contre des points boutiques pour vous acheter, par exemple, un kit. Ou, je sais pas, vous êtes juste quelqu'un qui farm beaucoup et qui a énormément de... Je sais pas, moi, disons, vous avez énormément de spawner ou énormément de... Je sais pas, peu importe, là, de cobblestone, vous voulez la vendre pour des points boutiques, ben vous pouvez via ce marché-là, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte que dans Minecraft aussi, un serveur fasse en sorte que les gens puissent échanger contre de l'argent PayPal, un peu comme au Piskin, dans le sens que sur un serveur, un gros serveur, j'espère, un jour que les gens vont faire en sorte que tu peux vendre tes items contre de l'argent PayPal. En gros, il faudrait que le serveur, par exemple, va échanger contre des points boutiques et tu peux ensuite échanger tes points boutiques contre de l'argent PayPal. Ça serait vraiment super. Faudrait vraiment qu'un serveur fasse ça un jour. Pourquoi pas moi un jour? Peut-être que je le ferai, je sais pas. Mais c'est une super bonne idée, je trouve. Et là, on a vraiment de la merde, les amis, aujourd'hui. C'est vraiment pas une bonne journée pour nos clients Xenotium, les amis. Ouloulouloulou. On obtient de la merde depuis tout à l'heure. Un spawner, s'il vous plaît. Bon, there you go. Un spawner. Jusqu'à qu'on le demande. Et la dernière clé, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On a eu pas mal de livres, hein. 3 pommes cheat. C'est super. Donc, on va préparer. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos. Les trucs en Xenotium. Parce qu'on a 2 corps dans le fond. Fait que ça nous sauve énormément de Xenotium, hein, les amis. Si vous savez pas, faut entourer de Xenotium un cœur neutre. Pour un corps neutre. Un corps. Pour obtenir ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Je crois. Les bourreaux sont spawners à Pig Zombie. Bien sûr. Merci les abonnés fidèles. Je crois qu'on peut faire ça. Attends, non. Attends. Oui, comme ça. Et là, il nous en reste 5. On pourrait faire les bots. C'est comment qu'on fait les bots? Ah, c'est en bas peut-être. Ah, voilà. On pourrait faire les bots plus ça en obsidium. Puis, il nous resterait un truc comme ça. On pourrait donner 3 pommes cheat aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Pig zombie ou witch? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Pig zombie ou witch? On va demander, peut-être qu'eux doivent le savoir plus que moi. Ça c'est sûr. Toi tu veux quoi? Toi, trade super pive. Tiens. On accepte. Ok, on va te mettre plein de P4 comme ça que j'ai acheté sur la boutique qui me sert à rien. On va pas se le cacher, les amis. On va lui donner 3 livres en breaking 3. Et on va lui donner du sadien, voilà. Et puis, vu que je suis gentil, une pomme cheat et un under chest. Voilà. C'est un cadeau de la mairie, ok? Sois content. Je vais mettre mes 2 pièces U3. Ensuite, je vais aller faire un spawner à... Qu'est-ce qui est mieux, Pig Zombie ou Witch pour plus d'ingrédients à potes? Ouf. Ok, ben regarde, je sais pas, on va vous donner un spawner, c'est sûr, dans le concours, avec 2 pommes cheat, et là, ben j'aimerais ça mettre les pièces au moins P4, U3, ou juste U3, je peux les mettre U3, c'est sûr,
Je vais juste les mettre U3. Vous allez devoir les enchanter vous-même, les gars. Moi, je vais les mettre U3 au moins. Ce sera déjà un bon début. C'est très simple pour participer. C'est très simple. Il faut juste que vous laissez un commentaire sur la vidéo avec votre pseudo et que vous likez la vidéo et la partagez à un de vos amis sur Twitter. Donc, vous devez me mentionner sur Twitter avec mon truc commercial IconsQC. Mon Twitter, vous cherchez, c'est Icons87. Vous me mentionnez avec le partage de la vidéo. Genre, vous la partagez sur Twitter, quoi. Et puis, voilà. C'est pas si compliqué, mais moi, ça m'aide de ouf à partager les vidéos non les pics et les pumps qui manquent. Ouais, voilà. Je pense aussi que les pump cheats, c'est beaucoup plus rare que le witch. Donc, c'est pour ça qu'on va faire gagner aussi le pic zombie. Et puis, ce sera juste une personne qui va remporter le lot. Donc, je sais. Voilà, c'est un concours au pays. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, moi, j'ai reçu les clés grâce aux vidéos que je fais, que vous avez regardées, plus qui ont les vidéos ont de vues, plus que j'ai de points boutique avec le système de partenariat avec Opsifight. Si vous savez pas, ils ont un système de partenariat assez stylé, selon moi. Ben, enfin, c'est moi qui trouve ça. Mais bon, peut-être que vous non. Fait que c'est pour ça qu'on va faire gagner tout ça. Je vais mettre ça dans mon under chest au calme. Et puis je vais aller faire le spawner à Witch. Ben je vais vous reprendre. Faut qu'on trouve un endroit déjà pour faire ça avant. Donc on va prendre ça. Bon, merci jeune homme, c'est très gentil de votre part. On va aussi... Oh d'ailleurs. On va vendre des orbes de réparation. Je vais aller voir combien ça vaut. Et puis on va voir combien ça vaut, puis on va faire un petit slash hit, je vous reprends. J'ai fait des recherches, j'ai demandé aussi dans le chat, entre 60 et 100, on peut vendre, dans le fond, des trucs. Attends, je rec. Il y a moyen que tu me passes TS. Non, je rec, mec, je peux pas passer TS, voilà. Donc, pour mettre des items dans le marché, je l'ai déjà montré. Ok, là, comme vous pouvez voir. Oh oui, d'ailleurs, si vous regardez ça, les administrateurs, pourquoi j'ai pas reçu mes points boutiques de tout ça? Hein? Expliquez-moi, j'ai pas reçu aucun des points boutiques de ça. Ça, c'était quoi que je faisais vendre? C'était une arme, je l'ai vendu 500 points boutiques. Puis, assez de fait acheter. Puis, j'ai reçu aucun de ces trucs-là. Donc, si jamais vous êtes un administrateur, faites-moi signe, j'aimerais bien savoir. Définir les articles. Donc, on veut définir seulement une à la fois. Valider le dépôt. On veut définir une image. On va choisir ça. On veut ensuite définir les moyens de paiement. On veut se faire payer en point boutique. Et on aimerait ça mettre 125 points boutique. Je pense que c'est bon, vu qu'elle a eu 3. Voilà. Clique ici. Revenez au marché. Super. Dépose d'attente. Si une personne achète votre offre, vous devez attendre 3 jours avant de la récupérer. Il n'y a pas de souci. Let's go. Mise en vente effectuée. Parfait. On fait ça encore une autre fois. Oupadoubidou. Donc, celle-là, vous voyez, elle est en vente. Sauf que là, on peut pas en mettre ceux-là parce que ceux-là, ils sont pas genre. Ils veulent pas se supprimer. Genre, je sais pas. C'est chelou. Vu que j'ai pas reçu l'argent, je pense que ça veut pas supprimer. So, s'il vous plaît, si vous êtes un membre du staff ou quelqu'un qui écoute la vidéo, genre, dites au membre du staff qu'il règle ce problème-là avec moi, s'il te plaît. Parce que, genre, c'est un peu embêtant. Je peux pas mettre à l'infini des items, quoi. Définir le moyen de paiement. On va mettre encore la même chose. Hop là. Hop là. Boom. Revenir. Boom. Et on va le mettre une dernière fois. J'ai pas lu vraiment le chat. Je pense qu'ils sont en train de me parler. On va donner ça. Hop là. Je sais pas ce que je voulais faire. Ça. Et 24 livres. Voilà. Pour ça, on va définir ça comme item. Définir les prix. On va mettre 100. 25. Voilà. Je voulais juste me débarrasser des trucs dans mon inventaire. Voilà. J'ai rajouté des trucs sur la boutique. C'est super. Ensuite, j'ai les trucs pour le concours qui est. Oh, pareil. Ça. Plus 2 pump cheats d'ailleurs. 2 pump cheats. Je pense qu'on pourrait ajouter un orbe de réparation sûrement. On pourrait aussi PVP après. Ou peut-être dans un autre épisode, parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment faire le spawner à Witch, vu qu'on vous donne celui à Pig Zombie. Donc, on va faire un petit kit. En fait, même pas, on va aller à notre home sky. Je vais trouver un endroit pour faire le petit truc, le spawner, et je vous reprends. Wow, les gars, mon ami Aptchief, le gars qui était dans ma base, et qui était dans ma skybase, il a laissé des panneaux comme quoi qu'il quittait, qui me donnait, donc je vais vous les lire. Salut Akon, c'est Aptchief, je livre Opsifight, tu peux garder ma sky comme une de tes bases, et je t'ai donné mon EC. Il faudra que je te donne ma monnaie quand tu te couilles, pour finir, je t'ai mis chef de la faction. PS, je t'ai aussi envoyé mes points boutiques sur le site. Donc, wow, il m'a donné au total, moi j'avais juste sur moi, il m'a donné tout ça, en gros, ben, c'était tout dans le coffre, en fait. Sauf que le souci, c'est que...
Ça, c'était à moi d'ailleurs. Le souci, c'est juste que j'avais plein de trucs. J'avais rien que la séquence, mais j'avais mis les coordonnées. Donc voilà. Donc, wow, merci beaucoup, Apchif. Je trouve ça dommage que tu quittes parce que t'étais super sympa, tu me trouvais des pillages et tout. Mais bon, j'avais juste à Skybase en fait, c'était juste pour storer des P4 et tout que j'avais mis ici. Comme tu te souviens, c'est dommage que tu quittes, mec. On avait plein de belles aventures qu'on aurait pu faire ensemble. Tout ça va me manquer, jeune homme. Mais bon, chacun part dans sa direction, mec. Oh là 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 là, c'est difficile des fois. J'ai 64 pile poil, dude. What the fuck? C'est de l'arnaque. C'est du vol. On va aller vendre ça au shop pour avoir un peu d'argent. Corps en obsidienne, je pense pas que ça nous soit vraiment utile. Et un peu de P4. My name is Michel. Le P4, ben là, je vais faire un coffre caché d'abord pour le P4. Ouais, ouais, ouais. On va faire un coffre caché. Donc, on va faire un coffre caché. Slash spawn. J'avoue bien. Ça fait chier que mon ami livre quand même quand je suis en train d'y repenser, les amis, c'est un peu casse-couille parce que c'est lui qui me trouvait des pillages et tout et qui me donnait des idées pour faire les vidéos sur OpsiFight. Parce que vous savez, des fois, je suis en manque d'idées, hein. Il est admin sur mon serveur, donc c'est, je veux dire, c'est pas comme si on n'allait plus jamais le revoir. Là, on va le revoir, les amis, c'est sûr et certain, mais pas maintenant, en tout cas, pas tout de suite. Ok. Quantité, on va en mettre 230, je pense. On en a 230, on en a même 43 de plus. 43, vendre. Ok, super. On a 3 corps en obsidienne qu'on pourra mettre nulle part, en fait. Les corps obsidienne, ça sert à rien, right? Je pense pas que ça sert à rien, les étoiles du Nether non plus, pour être franc avec vous. Les pommes cheap, puis toutes ces piquettes-là, on va les mettre dans un coffre caché. Ça sert à rien, comme. J'en ai 3, je fais quoi avec? Ça, je pensais que ça servirait à rien, mais bon. Si ça sert à faire des corps en xeno. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, on a aussi des étoiles du Nether. Par exemple, ça, les pioches, je vais les garder. La pioche fortune, je vais la garder parce que. Voilà. Trash, plaque. Si t'as un Xeno, tu peux faire un Xeno. Ouais, ok. C'est pas très gentil, ce Flexi. J'espère que tu vas être banni. Donc, on va faire ça. Boom. Slash wild. Ok. RTP. Boom. Recherche une position correcte. 1700 blocs plus loin. Ben, c'est simple, les gars, on va juste le mettre là. Et je vais vous donner les coordonnées ensuite. Donc, boom. On va drop un P4. Donc, vous dites merci dans les commentaires. Je veux des merci à AppChief aussi, hein. Parce que c'est quand même lui aussi qui vous donne le coffre caché, hein. Pas juste moi. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, je sais pas pourquoi il y a seulement une paire de bottes. Mais bon, c'est AppChief, quoi. Faut pas lui en vouloir. 4 punch sheet. Ainsi que... ici que c'est tout, je crois. On va mettre des étoiles du Nether. Mais bon, regardez, les gars, c'est déjà ça. C'est déjà cadeau, quoi. Dites-vous que c'est déjà cadeau. Oh, mais savez-vous quoi? On va vous mettre ça, plus ça. Voilà. Épée, plus ça. Donc, vous allez être content avec plein d'étoiles du Nether, en espérant que cela vous fasse plaisir. Voici les coordonnées. Donc, vous avez déjà un coffre caché et vous avez aussi plein de trucs. Ensuite, les corps en obsidienne, je sais pas trop quoi faire avec. Je pense qu'on va les mettre dans le... Il n'y a pas de marché. On va mettre dans la market. Enfin, comme pour faire des corps en exil, il faut des corps en obsidienne. Non, il faut pas faire des corps en obsidienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis pas de la merde aussi. Trop d'offres non terminées. Vous avez 3 d'offres non terminées. Double. Ils ont été achetés, mes trucs. Ils ont été achetés, mec. Oh là là. Voilà, j'ai envoyé 350 points finalement à Super PV. Super PV va voir TPB. On va voir sa réaction, les amis. Pendant ce temps-là, je suis en train de miner le truc pour les spawners. Donc, comme vous pouvez témoigner, les amis, j'ai juste donné en fait 350 points boutique. C'est tout ce qui me restait vu que tantôt j'avais acheté des clés. Je voulais pas acheter 1 million de clés, vous savez. Fait que j'ai acheté juste genre 11 clés, je crois. Ouais. Puis là, ben, il me restait 372 points boutique. J'ai en envoyé 350.
Et là, donc voilà, là, il va être content, il va bander partout, ça va être cool, génial. Et puis, moi, je continue à miner ce A++. Ouais, donc j'ai fini de miner le truc. Donc là, je vais chercher des seaux d'eau. Je pense qu'on doit sûrement avoir ça quelque part, sinon il doit avoir dû faire dans un cas. Essayer de trouver un seau d'eau pour pouvoir faire. On va prendre des hoopers ici, j'ai vu des hoopers. Voilà, parfois. On va prendre ça, on va prendre aussi une épée au cas où. Voilà. Quoi, tu as pas connu même via Skype. Désolé, man, je recrute pas en fait. À la base, je voulais recruter les abonnés, mais j'ai vraiment. Genre, c'était trop compliqué à recruter les abonnés parce que tu sais, imaginez ceux que je prenais pas. Après ça, il y en a triste et se désabonner, mec. Donc là, tout le monde va se désabonner. Voilà. Chris, on n'a pas de. Ah, c'est une joke, ce calice. Ok, ça doit être une joke, là. Ils sont trop pauvres, ils ont même pas de fer dans leur skybase, calice. C'est une joke. Ok, ils ont du fer, c'est bon. Donc, on va faire un petit slash craft. Comme deux seaux d'eau. Puis là, ben, je vais sauter en bas vu qu'il y a de l'eau, mais je vais pas vous montrer la dessus. C'est bon, j'ai pris de l'eau. On fait on. Witch. On va poser une source d'eau infinie avant de pouvoir effectuer tout ça. Donc, c'est parti. Hopidoubidou! Donc, là, normalement, on va faire un test en premier pour voir si ça marche bien. Oui, parfait, c'est super. Donc là, on va faire une source d'eau infinie ici. Donc, si vous voulez faire des sources d'eau infinie, bon, je pense que tout le monde sait comment faire un spawner, hein. Je veux dire, c'est pas la truc la plus difficile à faire, mais c'est la truc la plus chiante à faire. Ok, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un coup qu'on a une source d'eau infinie, on peut la mettre partout, ça dérange pas vraiment. Là, on va juste casser ça et ça. On va mettre. Whoop-a-l'ai. Ok, 2, 4, 2. Ça, c'est le bloc du milieu. Ok, parfait. Parfait. On va mettre notre spawner à. Oh! Notre spawner à Witch. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Parce qu'on n'a pas fait ceci. Fait que là, dans le fond, you're holding. Ok, ça, on s'en fout. Ok, ça, on s'en fout. D'accord. Donc, ensuite, il faudra deux autres seaux d'eau pour pouvoir mettre les trucs dans le milieu. Donc, ça, plus ça. Mais ça va nous prendre du bois, en fait. Ce qui, en fait, ouais. Regardez, à partir de ici. Ok, ici, il y aura une séparation. Puis les zombies, ils vont tomber. Attends, non. On est à un à côté. Ici. Boom. Ici, il y aura une séparation qui va descendre jusqu'en bas. Sauf que nous n'avons pas de bois, mes amis. On va faire un petit slash kit construction. Et on a du bois. Super. On a aussi une potion de hast. Oh, great. Ça, on s'en fout. On veut juste un peu de bois pour faire un panneau. Super, super. On laisse ça là. Voilà, slash craft. On veut faire des sticks. On veut jeter le livre. On veut faire ça. 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 Pour jeter ça. Ça. Et ça ensuite. Ensuite, on jette ça. Ça. Voilà. Donc, là, c'est ici qu'on veut mettre le panneau publicitaire. C'est une blague, bien sûr, les amis. Lol. Voilà. Là, on descend de 2. Et là, ici, on aura notre petit endroit pour farmer les witches, mesdames et messieurs. C'est pas génial tout ça. N'est-ce pas génial, mesdames et messieurs? Nous avons terminé, mesdames et messieurs. C'était pas si long que ça, comme prévu. C'était plutôt court, mes amis. Donc là, on va faire quelque chose de propre quand même, hein, je veux dire. On fait pas les choses à moitié chez nous, les amis. Boum, boum. Et là, ok. Qu'est-ce qu'on va exécuter, mesdames et messieurs? C'est quelque chose de très difficile. On va crafter des slabs. Eh oui, mesdames et messieurs. Ceci, je sais que c'est très difficile à comprendre, les amis, mais hey, vous êtes capables, les amis. Faites-vous confiance. Ensuite, les sorcières vont tomber ici. Ils pourront, par exemple, nous taper, je crois. Donc, il faudra mettre ça comme ça pour être sûr que vous prenez aucun dégât. Je crois qu'il faudra faire ça comme ça. Je suis pas sûr, en fait. Il faudra tester. Mais bon, au moins, ça, c'est fait. Ensuite, on va se faire un petit room pour accéder à nos sorcières. Ok, là, c'était pas l'endroit choisi. Peut-être plus ici, ça va être l'endroit choisi. Voilà. Comme ça, ici, on va faire en sorte qu'on puisse avoir accès à notre spawner en cas de besoin. Hop-a-l'ai. Hop-a-l'ai. Ah, tabarnak. What? Ok. Ouh. You pick it up. Oh my god. Ok, 3.
Voilà, on est coincé par exemple, c'est vraiment cool ça. Vraiment chouette. Nice, 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 nice. Ok. Ça va nous... Checker, mais ça va nous prendre 10 minutes avant de réussir. Ok, c'est bon. On est là. Boom. J'espère juste que ça donne pas les coordonnées. Good! Nous, on va sortir par ici. On va patcher ça. Voilà. 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 Et là, ici, on pourra farmer nos sorcières sans problème, mesdames et messieurs. C'est super. Ensuite, on pourra même mettre un Hooper. Des Hoopers qui vont se diriger dans les coffres qui vont être placés ici, mesdames et messieurs. Ce qui va être encore mieux. Vous êtes prêts? On va faire ça. Donc, on va jeter un peu de stone parce qu'on en a quand même un peu beaucoup. On va faire slash craft deux coffres. Tac, tac. Ça va nous en prendre un autre bout de push de bois. Là, du coup, on aura un long épisode aujourd'hui quand même. Hein? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, mes amis. Boum boum. Boum boum. Ici, on va faire. Tac. Et tac. Donc, ici, on aura un Hooper qui va se diriger vers là, un Hooper qui va se diriger vers là, et le tour sera joué. Je vais chercher des Hoopers à la base. On sky 2. Je crois. Ah, ben, je les ai sur moi, en fait. What the fuck? Qu'est-ce que je raconte? Ok, donc, le but, c'est de faire en sorte que le premier Hooper, celui qui était présent ici, soit en direction de ce coffre. Voilà. Le deuxième soit en direction de ce coffre, et le troisième soit en direction d'aucun des deux, en fait. What the fuck? Ok, ben on s'en fout, en fait, ça va choisir juste un côté, mais bon. Ok, ben on va choisir en sorte qu'il fasse comme ça. Pas pareil. Non, on va faire en sorte qu'il soit de ce côté-là. Parce que c'est pas égal, en fait, fait que ce coffre-là, il servira à rien, mais... C'est juste pour que ça soit droit, les amis, vous comprenez? Voilà, comme ça. Et ensuite, on met une petite dalle ici, pour que ça soit encore mieux pour les farmer, mesdames et messieurs. Comme ceci. Tabarnak, mes amis. Hostie qu'on est hot, ici on pourra store des trucs à l'intérieur. Et là, il faudra juste rajouter de la lumière et agrandir derrière. En espérant que la vidéo aujourd'hui, les amis, vous a fait plaisir. Si c'est que n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icons, je vous aime, ciao.